Bonjour à tous, c'est NicoCage13 et aujourd'hui on est sur PES 2016. Alors, je vais continuer la Ligue des Masters avec vous. La dernière fois on s'est quitté sur le match contre 3 où j'ai gagné 5-1. Après, par la suite, j'ai gagné 3-0 contre Saint-Étienne. Après, j'ai gagné 4-0 contre Reims. Et aujourd'hui, c'est le premier match de l'UEFA Europa League contre Newcastle. Donc, on va partir de suite dans ce match. Et tout d'abord, je vais vous montrer les joueurs que j'ai achetés. Alors, plan de jeu. Alors, j'ai acheté Carrasco. Bon, Paulinho, bon, j'ai pu vous montrer déjà dans ma vidéo. Carrasco. Après, j'ai acheté Mounir aussi de Barcelone. Et voilà, c'est tout. Après, j'ai Drogba et voilà, c'est tout. Hein. Donc là, on va commencer de suite ce premier match du UEFA Europa League contre Newcastle. Donc, match suivant. On va voir les maillots. Alors, nous, on est en noir. On va passer en blanc. Putain, Newcastle, ils ont deux maillots blancs. Alors, nous, on va passer en bleu. Et on va les mettre en blanc. Bon, on va leur mettre leur maillot extérieur, voilà. Là, je vais voir si mes joueurs ne sont pas fatigués. Bon, ils sont tous en forme. Donc, on va commencer de suite ce match contre Newcastle. Bon, là, c'est les maillots que j'ai créés moi-même et les logos que j'ai mis sur le jeu. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait, il y a un petit tuto dans mes vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour avoir les maillots de championnat anglais et les logos et les marques et tout le reste. Donc là, je peux remettre le son. Bon, le chargement n'a pas fini encore. Du coup, je peux pas encore mettre le son parce qu'il y a encore les musiques. Ça y est. Bienvenue, nous allons débuter cette UEFA Europa League ensemble aujourd'hui avec ce match. Bon, après voilà, là je vais encore me concentrer sur le match, donc je vais pas faire beaucoup de commentaires. Souvent des attaquants bien sûr, mais je vais choisir Fabrizio Colocini. C'est un joueur solide, fiable, un vrai héros de l'ombre. Oui, c'est évident, pas de surprise. Le long dégagement du gardien. Nkoulou. Voilà, là c'était dommage. Ça m'a soulagé un peu. La reprise, oui, le bel arrêt de Elliott. Monsieur, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Colocini. Yamat qui est servi sur cette bonne transversale. Attention à cette passe levée. Faut tirer là. Oh là là. Quelle grosse occasion de Newcastle. Que leur joueur a réussi à passer devant mon défenseur. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Kamela, tout seul, progresse encore. Oh, c'était à côté. Il m'arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça me réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. On va passer. Il
c'est une interception parfaite. Là, ça va dire. Alessandrini, qui est actuellement le joueur qui touche le plus de ballons dans cette équipe. Bon, belle frappe, belle arrivée du gardien. Colocini, longue ouverture. Il part un peu à l'aventure. Elle continue sa course. Un bon centre dans la surface. Oh, le bel arrêt. C'est dégagé. Ouais, il frappe encore. Oh là là, juste à côté. Toute molle. C'est pas possible. Ferreira Carrasco qui est très bien fait. En position de tir, il manque sans délai les gestes. C'est incroyable. Ils obtiennent la touche. Williamson. Yann Mat. Williamson. Et tout conclure. Oh, ce que je rate! Oh, j'ai fait n'importe quoi là! Ah, bah, la défenseur la touche. Donc, il y aurait un corner. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Oh, au-dessus. Vraiment dommage. Bah, tu vois, il était tout seul. Le gardien n'avait même pas bougé. La chance qu'il a. Ça soulage. Cabella. Mais très bien joué. C'est bien conservé sa lucidité. Ferreira Carrasco. Oh, dommage. C'est repoussé par la défense. Quelle fait du bien cette interception. Paulinho. Il joue dans la profondeur. Là, ça va dire. Voilà, il est tout seul. Bien joué, un bon retournement de kilo. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir gagner voilà. Les vestiaires pour cette pause, 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. 0-0 à la mi-temps, on espère faire mieux en deuxième mi-temps. Cette fois, mettre les occasions au fond de la cage. 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. C'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il y a une équipe qui a tiré presque deux fois plus au but que l'autre, même si le score suggère un certain équilibre. Le centre devant le but. C'est bon, le danger est repoussé. Wijnaldum. Mitrovic. Oh, la passe en profondeur. Oh, Paulinho. Ah, dommage. Batshuayi. Et voilà le but. Une grosse erreur défensive de Newcastle. On en profite et on marque. Bon, on va voir ce but au ralenti. Là, Paulinho qui allait tirer, mais le défenseur m'a rattrapé. Là, ils sont pressés, ils jouent sur le gardien. Le gardien qui va dégager en taclant, un mauvais dégagement. Batshuayi qui est là, qui contrôle, qui tire et qui marque. Long ballon. Oh là, il n'y a personne. Oh, l'interception.
Bon, la prochaine sortie, on va faire un remplacement. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Il décide d'allonger le jeu. Colotini. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Winaldo. David Pizarro. Thioté. Dovin. Yamat. Il tente de la jouer dans l'espace. Va-t-il en profiter? Oh l'inspiration! Oh le but! Mais voilà, Newcastle qui égalise. Incroyable! Magic! But de Winaldo. Voilà, but au ralenti. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser. Là, il m'a bien effacé. Une belle profondeur. Il est plus rapide que moi. Il y a un beau centre. Il est seul. Il met la reprise. Et bon, Mandanda qui est battu. Et c'était un but pour Newcastle. Alors, 1-1 dans ce match. On va essayer de repasser en tête, parce que là, commencer comme ça à l'UFA, ben, ça serait mal commencé. Mais bon, c'est Newcastle qu'en face, c'est pas le même niveau qu'en Ligue 1. Oh dommage. Allez Carrasco, le bon centre là. Oh là là, centre complètement raté. Oh là là. Une belle frappe de, je pense que c'est Paulinho. Et bien arrêté par le gardien. On va faire un petit remplacement là. On va faire entrer du frais. On va mettre Drogba en attaque. On va faire entrer Drogba. On va faire entrer Ocampos aussi. Et bon, on va laisser comme ça peut-être. Non, on va faire entrer un autre joueur. On va faire sortir Cabella. Et entrer de Lucas Silva, qui est en forme. Ce serait bien là, de se démarquer sur ce corner. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Il met la tête. Oh, juste au-dessus. C'était presque au fond. Faut que le gardien est soulagé. Il était aux fraises et n'aurait jamais pu arrêter ce tir-là. Ah, c'est vraiment dommage là. Il a failli marquer un nouveau but. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer, il a trop décroisé sa tête. Et bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Oh dommage, personne la touche. Oh la grosse occasion. Lucas Ocampos. Oh non, il a sifflé la fin. Coup de sifflet final. Bon.
Bon, ben voilà, ce premier match du UEFA Europa League qui se termine. Un petit 1-1 contre Newcastle, bon, j'aurais espéré mieux, mais c'est pas mal. Hein, c'est le premier match, donc ça va. Mais on continuera cette compétition ensemble. On se retrouvera pour le prochain match. Et pour les prochains gros matchs de Ligue 1, par exemple, je sais pas, Paris, Lyon, Monaco. Ou ça dépend, si je me sens de faire une vidéo avant, ben, je ferai. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.